pourquoi pas Vincent Moscato, et puis effectivement, et Pierre Serena, de fil en aiguille, on a développé la chose, et puis avec un numéro de téléphone qu'on a réussi à se procurer par un intermédiaire, voilà, on a appelé la femme à Vincent qui s'occupait de lui, c'est sa productrice, et puis voilà, et on est parti, donc ça fait maintenant 10 mois, on est parti sur cette idée, et puis on a pas lâché, on a continué pour arriver jusqu'à ce soir, au soir du spectacle. Un grand merci au service technique, à toute l'équipe de David Laduix, Jean-Marc Larouco, Philippe Razal, parce que je crois que c'était important aussi de compter sur eux. Donc maintenant, on n'est plus qu'à quelques heures du spectacle. J'espère que ça sera une très belle fête. Et puis, si c'est un succès ce soir, je crois qu'on a déjà quelque chose derrière la tête pour l'année prochaine. Donc rendez-vous tout à l'heure, et puis que la fête soit belle, le spectacle, mais aussi l'après-spectacle. Quand tu joues au rugby, après, il faut se reconvertir. Donc, y a eu 15 ans de travail, de théâtre, de cinéma, de radio, beaucoup de radio, et puis de one-man show maintenant, quoi, depuis 4-5 ans. C'est du rugby à la comédie. Voilà, il a fallu reprendre un métier, prendre de temps en temps quelques cours, puis faire des pièces de théâtre, des petites pièces de théâtre, après des petits films, des petites choses comme ça, apprendre un vrai métier, quoi. Ça me fait plaisir de venir dans des coins comme Oloron, près des Pyrénées, tout ça, ça me rapproche un peu de mon sud-ouest à moi qui est Gaillac. Le nouveau spectacle qui est un one man, bien entendu, un one man qui est le premier retracé un peu ma vie. Celui-là, il est un peu plus... Il est un peu plus futuriste, il est pas futuriste, mais il est plus en fiction, quoi. C'est-à-dire il est collé un peu à l'actualité du moment, quoi. Jean-Claude, je vais te crever. Tu veux finir avec les interfeignants du spectacle au Festival d'Avignon, hein, à travailler pour une pièce de Toréton. Rien que son nom, on dirait du fromage de chèvre. Jean-Claude, je t'ai demandé une musique de Neuilly, pas Neuilly-sur-Marne. Neuilly-sur-Seine. Une musique de banlieue, d'accord, mais... Comment te dire? De banlieue, mais... De banlieue chrétienne. D'ailleurs, les Basques, à l'origine, on ne sait pas d'où ils viennent. Quand je vous dis qu'ils ressemblent aux Belges, il y a un historien qui a dit que... Les Basques, comme on ne sait pas d'où ils viennent, ce serait justement à l'origine, des Belges. Qui serait descendu à l'Espagne et qui n'aurait pas trouvé la frontière. Quand je vous dis qu'ils veulent tout acheter, les Qataris, ils veulent tout acheter. Il paraît qu'ils vont acheter le Tour de France. Une compétition historique, le Tour de France. Plus de 100 ans de Tour de France, ils veulent l'acheter. Ils veulent que ça parte de Doha, la capitale du Qatar. Combien de temps ils vont mettre pour remonter jusqu'à Paris? Surtout avec des roues voilées. On ne peut pas parler de l'équipe de France sans parler du petit. Hein, de Francky, quand même. Francky, quand même. Il fait la gueule. Oui, il fait la gueule. Non, je parle pas de ça. Le pauvre. Il y a l'autre truc que dans le Nord, il fallait interdire les fessées. La veille de les filles, c'est comme les clébards à coups de pelle, ils comprennent pas. Non, il fait la gueule, il en a marre d'être critiqué. Il a dit d'ailleurs, après ma carrière, je resterai vivre en Allemagne. Il a dit la France, c'est pas ça, il a dit, la langue est trop compliquée à apprendre.